Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche 10 mars 2024. Alors, nous sommes capables de remarquer 34 Haïtiens qui sont bien venus dans la ville locale ou bien nous sommes capables de dire que l'autorité dans le pays de Jamaïque va retourner dans le pays d'Haïti. Donc, il y a hier, qui était samedi 9 mars 2024, là, côté que l'autorité dans le pays de Jamaïque a refoulé 37 Haïtiens qui ont été pris sous la mer qui ont tenté d'entrer dans le pays Jamaïque et pour aller chercher la vie meilleure, mesdames, messieurs. Donc, jeudi dimanche 10 mars 2024, là, donc, autorité dans le pays Jamaïque refoulé 34 Haïtiens. Donc, et suite à, capable dire, Haïtiens, ça a été prêt à canter, donc, pour être capable d'aller chercher la vie meilleure l'autre côté. Donc, regardez toute vidéo, hein, tout détail à venir tout à l'heure, comme ça, pas oublier. Partager vidéo, ça, ça va permettre l'autre monde découvrir et connaître qui ça qui a passé au niveau de ville locale, mesdames, messieurs. Nous pas Jamaïque, mais nous sommes sortis pour tirer la vie dans le pays Haïti. Nous pas Jamaïque, nous sommes sortis. Parce que là, à Jamaïque, c'est pas qu'on est un point chita, nous pas qu'on est bien caïmé, nous mettons qu'on est dehors pour nous sauver la vie. Ça, bien t'as pas pour mourir. Et destination finale là, qui côté le terrain? La caille pas nous noter, mais nous, final, nous pas arriver qu'un côté. Sur la mer, nous, je prends nous. Parce que moi-même, je vais tourner côté, je vais aller pour ça, parce que la vie m'a sauvé. Très bon. Moi, je vais aller là, je vais sentir la mort, mais parce que je connais. Si pour rentrer là, une case côté nous là, même nous même nous pas serrer parce que quelqu'un qui pour rentrer là parce que me connaît dans le chemin un gars venu dit que moi on fait parce que l'autre jour je tué deux tiers de mon côté mon grain sel de bombe ça on met gros à ton côté que le nambouchi là quand moi là ouais ça reprend mieux mettre un camp comme ça dit mais c'est trop grand monde puis pour moi tuer l'autre pour mon grain sel c'est bon vraiment ça fini ça tue en Haïti et quand de tomber l'autre fois tomber l'autre tomber c'est comme ça moi m'a tomber tout m'a battre mon courir mais qui côté nous sorti. Mais là nous fait ça. On a zamba qui est de côté, nous capetons un gel de côté ça. On a que les gosses amis d'habiter là, nous gardons. Et ça me suspecte là. Le sentiment que nous, là, Camperin, nous connaissons le mois de massage qui est consacré à la fête de bois des femmes. Donc, nous connaissons 8 mars qui se passé dernièrement, là, deux jours de cela. Nous avons toujours dit que. Et il faut que nous fassions célébrer et mesdames. Donc c'est dans ce souci ça, nous venons là dans le Camperin. Et il faut que nous disions que la clinique a été supposée faite à Tibi. Donc Tibi vient nous voir nous constant. Nous estimons qu'il y a un problème à manque d'accessibilité. Donc je dis à nous dans l'école nationale. Et de la porte, quand nous faisons tout le monde sortir dans ni Katibi, ni Constant, pour venir prendre soin de santé, côté Fondation Saint-Rose, même nous toujours à faire dans le département. Combien vous avez de matériel? Bon, nous devons prévoir pour nous 400 femmes, mais nous sommes au-delà de 450 déjà, même parce que nous avons privé à 500 femmes et Timoun également.
c'est toujours la même méthode là, obtenir le maillot rouge, puis le consulter là. Bon, c'est toujours la même méthode là, Fondation Sainte-Rose qui s'est fait, l'imprimer et les gens qui ne sont pas capables, les gens qui sont marginalisés dans la société. C'est une raison nous avons priorité, pour nous avons soin, qui sont un soin palliatif. Ok, maintenant nous connaissons que logistique, comme pour nous avoir des médicaments, pour nous consulter, déplacer tout médecin ça yo bon gagne un frais gagne un bagage gagne un corps qui dépense pour ça côté fondation cette rôle joint moyen pour que les mobiliser tout médecin ça yo et nous même tu as très content voilà de son joie qu'il en fait ça pas et faut qu'on dit que majorité médecins qui en dedans c'est des médecins bénévoles que même dans que c'est une cap travail et qui vient bail qui vient bail participation par la communauté. Il faut que nous disions que aujourd'hui, qui fait plus ampleur dans la société, c'est le fait que l'ensemble de monde comprennent que il y a un pile de monde qui a souffert, qui n'a pas gagné accès à soins de santé. Il y a une fondation Sainte-Rose d'Haïti, mon philosophie parle pour aider la communauté, les gens qui l'ont aidé là à travers tout le département, donc ils ont emboîté le pas. Donc nous ne payons pas une goutte et la fondation Sainte-Rose n'a pas gagné de fonds, chaque jour nous dit ça. C'est des partenaires amis qui aident nous pour nous être capables de faire ça. Parce que nous n'avons pas de fonds et directement que nous-mêmes, nous et qui ben nous comme qui bon budget qui vous dit mais ça que nous fait c'est monde qui ben nous des trois molécules par exemple nous gain et au fois ici quelques autres monde encore gain quelques médecins qui pour aussi qu'on a cherché médicament et des médecins qui dit qu'a diriger quelques centres de santé et public qui aide nous avec molécules et puis nous mettez ensemble moi même personnellement nous mettez comme PAM et chef fondation pour nous qui nous capable faire mais c'est pas un fond c'est pas un bail de fonds que nous gain pour nous venir pour nous médecins et comme pour venir faire ça on a fait. Donc maintenant aux gens on dit à que en joie c'est parce que estimer que travail à son travail et de proximité travail pour compatriotes nous yo vinn bail le bras à travail qu'a fait dans la communauté. Même lui et comme on parlait de Fondation Sainte-Rose, son association Sainte-Rose seulement et clinique seulement le fait ou bien le cadre. Donc Fondation Sainte-Rose lui même n'est pas fait seulement clinique, nous aider monde à des naissances, nous aider petit monde qui pas capable pour nous et coordonner dans l'école, nous prenons quelques monde dans base fondation qui c'est dans campagne Kafoubouet pour nous aider parce que les parents sont pas capables de la guerre, donc c'est Fondation Sainte-Rose à aider dans le contexte ça. Monsieur Fondation Sainte-Rose vous le dites, c'est un projet soit au clinique ou au hôpital. Donc notre philosophie fondation, nous avons toujours dit ça, nous travaillons parce que nous connaissons le département les disparités de soins médicaux. Donc en dans Fondation Sainte-Rose actuellement là, nous voulons instituer une clinique communautaire. L'un des cliniques communautaires sont cliniques qui ne peuvent pas le payer comme si vous venez en clinique et privée. Donc son clinique qu'on trouve un seul cop et puis on a fait toute prise en charge, on a fait et consultation, on a fait toute bagarre pour et puis on a bon médicament et puis voilà la caillou. Ok, et l'État pas d'un point d'intervention à jusqu'à date, l'État pas que j'aime nos molécules, nous même c'est nous même qui battent tête nous. Et nous toujours bail rapport d'ensemble de diagnostics nous fait de ensemble de cliniques nous fait en département et nous avons dernier rapport qui de 2023 qui qu'est-ce qui est fini côté nous va l'acheminer le ministère santé publique pour nous ensemble de pathologies que nous recenser en dans commune pour faire une prise en charge globale. Vous ne pas faire des démarches ni au niveau national ni au niveau international. Nous faire des démarches pour connaître à quoi situation sociopolitique pays nous, chaque démarche nous fait, chaque projection nous fait, les personnes qui respectent véritablement. Donc, nous avons toujours continué de travailler parce que nous-mêmes, je vous dis, la plus grande priorité nous, c'est ouais, pour nous venir avec un soin en deux département parce que le département est privé de soins de santé véritablement parce que nous connaissons avec un flux de cerveau qui peut aller quitter le pays. Donc, je vous dis, nous avons un manquement de ressources qui qualifient véritablement. Prochaine destination, c'est qui côté? Et prochaine destination, nous ne pouvons pas dire présentement pour qui ça, parce que chaque pleine fois projection, parce que nous avons perdu un mois dans l'année, parce que nous avons dit année ça, nous avons fait une projection de 15 cliniques pour l'année, donc nous ne pouvons pas faire une projection, mais véritablement, nous allons dans l'autre commune que nous ne pouvons jamais entrer, qui est dans la zone côte là. Et faut que nous disions, et aujourd'hui, nous avons 9 généralistes. Nous avons un ophtalmologue, qu'on est mesdames, vous avez besoin de yeux pour capable de nous manger parce que nous disons si pas de femme, pas de société. Donc nous avons un ophtalmologue et puis nous avons un pédiatre qui est avec nous. Malheureusement, directeur médical nous à la dernière minute qui sont gynécologues, n'est pas qu'à présent, qui fait que nous pas de gynécologue là ensemble avec nous là.
Ok, mais lui, est-ce que le contrat peut passer nous? Est-ce que nous accompagnons nous? Tout à fait. Nous avons référé juste à Port-au-Prince. Dernièrement, nous avons plusieurs cas dans la clinique que nous avons recevoir. Côté nous passer par partenaire qui est Fort Haiti, qui a aidé nous à aller avec nous juste à Port-au-Prince. Nous passons dans le fond des blancs avec et puis nous rentrons à Port-au-Prince. Il a fait mammographie et nous avons passé dans le Radio Lab. Donc, nous pensons que c'est ce travail de synergie ça, que nous avons développé à travers la Fondation Saint-Rose pour nous porter une satisfaction à chaque grand monde qui est dans la communauté. Bon, nous disons bonjour tout le monde. Nous sommes venus participer dans la clinique mobile que la Fondation Saint-Rose d'Haïti a fait. Et nous connaissons le pays à son pays côté tout le monde malade. Et moi, je suis content pour me participer parce que ça a fait à l'occasion de cette famille qui a fait dans le pays. La Fondation a été important pour devenir dans nos services dans la localité Campérin et surtout la porte. Ok. Pour payer, Non, nous n'avons pas payé un bout pour ça parce que non seulement nous n'avons pas payé ni cap là, ni consultation. Ok, c'est que vous nous sommes et puis vous avez des médicaments. Oui, son bagage qui fait gratis. La Fondation dépense à nous et il fait gratis. Ok, sous vos mots, c'est ça pour la Fondation, vous avez payé. Bon, nous remercions la Fondation hein, parce que nous avons que le pays n'a pas gagné trop de monde, ça a eu cap là et payé à service. Et le service à nos localités a été déjà en ligne et nous avons débarqué en foule pour venir participer dans la clinique. Ok, merci beaucoup.